Et qui c'est qui arrive sous la pluie? C'est moi. Eh bien, t'avais qu'à emmener un parapluie. Non, mais juste pour dire, il y a une pluie de taré là dehors. Mais ils ont prévu plein d'averses en ce moment et forcément, c'est pas les petites averses, tu vois. Eh bien, ça va mal tomber pour toi parce que j'ai une nouvelle mission. Ah. Et si? Non, non, oiseau, non, tu peux pas attendre quand il fera mieux dehors. Et non, malheureusement pour toi, ce genre de choses n'attend pas. Par contre, là où je vais t'envoyer, je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit. J'ai pas beaucoup d'informations sur le lieu. Ah ouais, tu peux pas me transférer dans un... Non. D'une manière plus précise, tu peux pas, non? Alors là où je t'envoie, il y aura deux chemins. Un bon et un mauvais. Il paraît que t'as une bonne intuition. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais faut pas en profiter non plus, hein. Faut pas en abuser aussi. Bah c'est ce que tu dis tout le temps. Alors, autant faire tes preuves aujourd'hui. Une bonne fois pour toutes. C'est parti. Oh, il pleut. Il pleut, j'ai de l'eau dans la nuque. Et donc salut à tous et bienvenue en ce thriller épisode 89 géocaching. Il fait pas chaud, il doit faire dans les 13-14 degrés, un truc comme ça. Donc épisode 89, ce qui veut dire que le suivant sera le 90, on boucle une nouvelle série de 10. Donc bien évidemment, l'épisode suivant il sera un petit peu spécial. Mais pour l'instant on n'y est pas encore, donc c'est parti pour le 89. Alors, voici l'intersection, les deux chemins, il va falloir que je choisisse. Par où aller? Par où aller? Non, je sais pas, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? J'ai l'impression qu'on arrive dans un grand pré. Il y a un arbre, il y a des trucs devant cet arbre. Qu'est-ce que c'est? Des bidons bleus. Ça peut être intéressant. Et si on prend ce chemin? Ok, je crois que j'ai fait mon choix. Alors voilà, du coup, comme Oiseau l'a dit, il va falloir faire un choix entre deux chemins. J'ai fait mon choix, j'espère l'avoir bien fait. Je vois un panneau au bout du truc, donc la cache pourrait être là. Par contre, sur l'autre chemin... Ça donne sur un arbre avec des bidons bleus. Donc c'est l'un ou l'autre. Je sais pas si j'ai pris le bon. On va voir. Là je peux te dire que si c'est le bon chemin, je vais au casino. Tu te rends compte? Chanceux à ce point. Ou alors c'est... J'ai un sixième sens. Là tout va se jouer dans cet épisode 89. Quoique l'arbre là-bas... Bah si c'est une parcelle de quelqu'un, c'est compté comme une propriété, ouais, j'allais dire priorité. Ouais, priorité au propriétaire. Mais si c'est au panneau là-bas, on pourra admettre que j'ai un sixième sens, officiellement. Alors je vais pas vous donner d'informations pour l'instant sur l'épisode 90. Tu vois, un petit indice, un petit hint comme on dit. Tout simplement parce que je sais pas s'il va être réalisable cet épisode, puisque normalement je suis censé ne pas être seul, puisque voilà, il y aura moitié de la vidéo ce sera de la recherche et l'autre moitié justement ce sera autre chose. Et cette autre chose justement je serai avec une personne. Donc je ne sais pas si ça va être réalisable, du moins facilement et aussi pourquoi pas rapidement. Hein, faut quand même que ça sorte dans les maximum 2-3 semaines à venir. Ok, on arrive au panneau. Par contre, si j'ai encore une... Oh purée, une intersection. On va d'abord regarder au panneau. Et puis on va voir si il va à nouveau falloir que je tourne. Étant donné que je ne peux pas tourner tout droit, ça va être délicat. Alors, magnétique ou posé au sol? Qu'est-ce qu'ils disent? 15 à l'heure, chaussée déformée. Tu m'étonnes.
Oh non, mais dis, mais t'es sérieux? Je l'ai même pas vu. Je ne l'ai même pas vu au premier coup d'œil, quoi. Non mais c'est génial. Regarde-moi la taille de ce truc. Et je l'ai même pas vu, tu te rends compte? Ça prouve que la couleur était bien trompeuse hein, avec le pilier. Alors nous avons un logbook qui semblait être en très bon état. Oye oye, gentes dames et gentes messieurs. Alors je ne sais pas combien je suis parce qu'a priori il y a eu pas mal de passages. Alors c'est parti, on va signer. Voilà, ça c'est fait, une de plus au compteur. Ben c'est bien, au moins l'épisode 89 aura à nouveau duré 5 minutes, comme ça on peut se dire, ah bah ouais, le 89, c'est bouclé. Maintenant, on dit, maintenant c'est direction l'épisode 90. Bah oui. C'est la solution de facilité, quoi. Merci beaucoup, Oiseau, de m'avoir envoyé sur une cache rapide à faire. Ah oui, mais du coup, maintenant il s'attend à ce que je fasse nouveau un épisode dans son dos. Donc tu sais ce que ça veut dire. Ah purée, ça rentre pas. Ça, c'est le type de logbook qu'il faut bien remballer, sinon ça ne rentre pas dans le tube. Et alors, tu te fais entuber. Hop. Et voilà. Donc l'aimant, il est là, voilà. Il a la taille d'un aimant... Enfin, d'un aimant qui a cette taille-là, quoi. Ouais, donc comme dit, pour l'épisode 90, je pense que ça va prendre un peu plus de temps que prévu parce qu'il y a une organisation à faire avant d'aller le tourner. Sinon, il mettra le même temps et puis une fois qu'il sera tourné, bien évidemment, il arrivera. Maintenant, vous me connaissez dans les 2-3 jours qui suivront son tournage. Voilà, je vais de nouveau foncer comme un taré, comme d'habitude. Mais bon, voilà, tant que ça vous fait plaisir, bah, c'est cool, c'est le but. Et puis, l'important, c'est qu'on s'amuse. Voilà, alors du coup, je vous dis à tous à la prochaine dans l'épisode 90 Geocaching. Et puis d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on voudrait pas qu'on vous fasse. Voilà, la phrase habituelle que tout le monde est censé connaître, n'est-ce pas? Allez, à très bientôt. So I